So, c'est bon. Une première. Une première. C'est vraiment une première pour moi, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Bah Je te moi non jure. plus en fait. Ça se C'est trouve, ça le ça va truc. être. Ouais. Puis en plus, vous voyez pas, mais il y a 500 personnes derrière la caméra. Ouais, Ça doit... c'est un truc de ouf Ouais, quoi. c'est un truc de fou. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis ravie d'accueillir notre cher Pathomé. Cher, c'est à cause du cachet. Non, en vrai, ça fait Non, c'est un grand, vraiment mais moi plaisir aussi, c'est un grand de plaisir. t'accueillir chez Grand, grand moi dans mon plaisir. salon, si on m'avait dit ça un C'est. jour. Si on m'avait dit que je me retrouvais dans le salon d'Anaïs, je l'aurais pas cru non plus, quoi. Tu vois, quand j'étais petit, j'ai rêvé à beaucoup, beaucoup de choses que je ferais dans la musique un jour. On en parlait un petit peu avant. Bien sûr, dedans, j'ai dû aller au gros maximum réaliser 20% de ce que j'avais en tête. Tu vois, ou rêver. Mais j'avais jamais rêvé dans les 80 autres pourcents que j'ai vécu, dont ce moment dans ton salon. Il y a des Voilà, trucs c'est. incroyables qui Ah se non, mais c'est passent. des trucs de fou. Aujourd'hui, le concept de la vidéo, c'est que tu nous montres quelques techniques que tu aimes bien travailler. Et D'accord. tu vas me montrer une petite intro aussi d'un morceau. On en parlera tout à Mmh. l'heure. Avec plaisir. Et puis, mes abonnés m'ont posé des questions. Donc, comme ça, tu vas pouvoir y répondre de temps en temps, comme ça, C'est pas des questions d'ordre personnel. Si que, Si que. avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais vite fait te présenter pour que les gens qui potentiellement te connaissent Ah, mais il y en pas. a plein qui me connaissent pas. Si tout le monde me connaissait, je serais un peu au courant. Bah, je m'appelle Pathomé, voilà. Je suis né à Rouen il y a presque il y a 61 ans. Et ouais, voilà. Bon, c'était une famille qui est d'origine irlandaise. Tu vois, de par mon arrière-grand-père. Donc c'est une famille où en fait ça chantait tout le temps. On a Donc, toujours chanté, ouais. quoi. Donc c'est le premier instrument qu'il y a eu dans la maison, en fait, c'était la voix. Et à Rouen, il y avait toujours l'opérette qui était à la mode. C'était au Théâtre des Arts. Et ce qui fait que tous les Noëls, on se retrouvait au Théâtre des Arts. Alors il y avait tout un rituel, quoi. Et je la fais courte, hein, parce que sinon je suis assez loquace, donc Non, mais c'est bien. tu vas mettre du temps à monter, ma chère. Hello, darkness, my old friend. Mais tu vois, ce qui fait que dès que j'ai eu 6 ans, tu vois, mes premiers souvenirs sont à peu près de cette époque-là, 6 ans, on se retrouvait au Théâtre des Arts et tu avais un orchestre classique qui jouait en live. Ouais. Puis après, bah, je suis tombé. Il y a quelqu'un m'a offert Machine Head de Purple. Alors j'ai déjà eu un premier choc avant, qui était bah, quand t'as 6 ans, 8 ans, t'es en France, 10 ans, bah, tu bouffes Claude François. Hein, Oui. tu vois, à l'époque, hein, aujourd'hui, ce serait d'autres qui seraient à peu près du même acabit finalement. Pire. Voir. Moi, je sais pas. Et il y a eu un groupe qui s'appelle les Osmonds Brothers. C'est un groupe américain qui était à peu près les pendants des Jackson 5, mais en mormon et blanc. Et qui faisait vraiment, bon, ils étaient capables de te faire un slow qui était de la pire soupasse à des trucs, mais complètement hard rock, quasiment avant l'heure, quoi. Tu vois, c'était Ouais. incroyable. Dont un morceau qui s'appelle Crazy Horses. D'accord. Et ce morceau-là, d'ailleurs, je l'ai repris sur l'album des 23 ans de carrière. Tu vois, on a commencé par ce morceau-là avec
T'avais en vidéo les Osmonds derrière qui dansaient. Et ce morceau m'a sauvé de Claude François quand même, tu vois. Bah ouais, finalement. Et bah ouais, ça a été vraiment un choc. Ah putain, ça peut être ça la musique. Mmh. Et donc avec des grosses guitares, etc. Un jour, je te ferai écouter ce titre-là. C'est très surprenant pour l'époque. Et puis après, il y a eu Machine Head. Quand j'ai vu Machine Head, si c'est ça que je veux faire, quoi. Donc je voulais être Ritchie Blackmore. J'ai jamais réussi à être Ritchie Blackmore pour deux raisons. D'une part, j'ai jamais bossé autant qu'il aurait fallu. Et puis deuxième, le boulot de Ritchie Blackmore était déjà pris par Ritchie Blackmore, donc je voyais pas trop l'intérêt. Effectivement, c'est là où tu t'es dit finalement je vais faire mon truc. On va essayer de faire autre chose. Quoi. Ouais. Mais non, j'ai énormément bossé Blackmore en premier. C'était vraiment ça, ouais. Rainbow avec ce superbe album dont il y a la pochette en face de nous, là, le Rainbow Rising, qui est un monument, cet album-là. Et vraiment, je pense que c'est probable. Pour moi, c'est ce qu'il a fait de plus inventif, tu vois, entre Purple et même maintenant, quoi, ouais. Tu vois, c'est encore plus inventif que Purple en termes de compo, ouais. Il y a des moments dans cet album-là où on est carrément dans du prog, du rock prog, mais d'aujourd'hui, quoi. Ouais. En fait, si on mettait les sons d'aujourd'hui, on arriverait à ça. Donc il y a eu ça, et puis évidemment, j'ai commencé la guitare finalement assez tard. Après, je traînais dans un magasin à Rouen qui s'appelait Clinique Instrumentale. Et il y avait un des vendeurs qui montait un groupe. Et moi, je passais mes après-midi là-dedans, tu vois, essayer les grattes, à jouer, machin. Bon, il m'avait pris un peu en amitié, quoi, tu vois, ou soit en amitié, soit en... en pitié. En pitié, tu vois. On a pitié, je vois rien, tu vois. Et du coup, tu vois, c'était cool parce que ce mec, qui s'appelle Denis Blard, a monté le groupe Marienthal. D'accord. Et donc là, j'avais déjà 2 ans de guitare, mais j'avais déjà bouffé tout Machine, tout In Rock, tu vois, je refaisais tous les trucs et tout. Parce que j'ai vraiment, quand je dis que j'ai pas bossé, c'est pas vrai, tu vois, j'ai bossé comme un cinglé. Au début, énormément. Maintenant, c'est plus compliqué parce que voilà, la vie fait que. Le métier de musicien est très chronophage, donc t'as pas forcément le temps d'étudier l'instrument comme tu voudrais. Mais. Tu vois, ça a été vraiment une période très excitante parce que je suis rentré dans le monde professionnel, j'avais 18 ans, quoi, tu vois. Ouais, c'est dingue. Hein. Tu vois, ça s'est fait en 3 ans, tu vois, j'avais bossé comme un cinglé. Et au début, je voulais faire que de la guitare, surtout pas de chanteur. Donc, on a essayé plein de chanteurs, ça collait pas. Et puis, tu sais, le fameux truc dans les roues, vas-y, essaye, fais un essai, et puis j'ai gagné le bonbon, quoi, tu vois. Et au début, ça m'a fait chier, hein, ça m'a vraiment fait chier. Mais finalement, très vite, c'est devenu quelque chose qui était pas aussi important que la guitare. J'ai toujours une préférence pour la guitare. J'ai travaillé la guitare, j'ai jamais travaillé la voix. Bon, après, empiriquement, évidemment, j'ai acquis des techniques. À force de faire. Tu vois, et puis aussi travailler l'indépendance entre le chant et la guitare. Et comme je bossais beaucoup Rainbow, et évidemment je suis fan de Ronnie James Dio, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, c'est très comme original. Comme toute bonne personne qui se respecte. Oui, c'est ça, ouais, comme toute personne qui a un peu de sens commun. Et du coup, tu vois, quand tu entends ce que Blackmore il fait dans Rainbow, dans les rythmiques, on n'est pas dans des trucs. J'avais bossé toute la rythmique de Kill the King, par exemple. Et la rythmique, ça fait ça. Et le chant, ça fait danger, danger, the queen about to kill. Un truc comme ça, et en même temps, faut que tu fasses ça. Danger, danger, the queen about to kill. Pas de problème. Ouais.
Là, ça va, c'est assez simple. Mais après, t'as Oh no, movie of a home, I need a spell and a charm. Il faut que tu joues en même temps Oh, movie of a home. Tu vois, Ouais, il c'est... faudrait que je rebosse, mais Ouais, tu bah vois, oui. arriver à dissocier les trucs comme ça, c'était un sacré challenge, quoi. Et petit à petit, j'ai bossé ça. Et puis, ce qui fait que maintenant, tu vois, dans ma musique, il y a plein de choses comme ça, quoi. Plein de choses comme ça. Les rythmiques ont absolument rien à voir avec ce que je veux chanter au niveau, tu vois, Ouais, c'est ça, t'as permis placement. d'acquérir une Une indépendance indépendance. entre le chant, Ouais. tu vois, un peu comme un batteur, quoi, finalement, tu vois. Un batteur, c'est quand même. Il a le cerveau qui est quasiment en quatre. Ça nous a pas échappé, d'ailleurs. Mais c'est vraiment cette gymnastique-là. Donc. Du coup, tu vois, j'ai acquis un peu ce truc-là, de travailler sur l'indépendance entre le chant, la guitare. Même, tu sais, t'as remarqué, tu vois, quand tu fais tes changements de pédales, de machin, que tu es en train de jouer, c'est déjà un petit peu compliqué. Et quand tu chantes en plus, Ah bah oui. tu vois, il faut Ah là là. que Ouais. tu resépares le truc, pas en deux, là, carrément en trois. Donc, ça, tu vois, c'est une façon de travailler. Et qui me permettent, tu vois, dans l'écriture des morceaux, tu vois, d'avoir une liberté totale dans mes lignes. Je compose X morceaux, on va dire. Le premier truc, c'est que je fais d'abord la zic. Tu vois, après, je mets le chant. Et tu te poses pas la Et je me pose question, pas la voilà. question, oui, je vais me faire un truc qui va être jouable, qui va être facile ou machin, je m'en fous. J'ai juste envie que ça me plaise. J'ai envie que je trouve ça beau. Alors, ça l'est peut-être pas. Mais j'ai envie que, tu vois, ça me parle. Et j'ai pas envie de me limiter par les trucs. Donc après, je prends le temps de travailler les machins pour les mises en place, etc. Si tu regardes bien, tu vois, dans tous les albums, on va prendre le dernier, tu vois, par exemple, In Vista, t'as des rythmiques, mais putain, ça n'a rien à voir Oui. avec ce que je suis en train de chanter au-dessus. Donc il faut dissocier ça. Pour revenir sur le gros de la carrière, ouais, ça a été Marienthal. Et puis bah, après, ce groupe, ouais, il m'a permis d'être pro. Le groupe s'est cassé la gueule de sa belle-mort, avec des problèmes de management, Ah d'ego, oui, de bon. machin, enfin bon, tout quoi. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Après, j'ai fait. On est parti sur la route avec des copains, on jouait plus que dans les bars, enfin tu vois, c'était une période assez glauque. Où bah ouais, je suis allé un peu dans tous les excès, tu vois, ça fait partie de mon passé, tu vois, j'ai pas à m'en cacher. Fort heureusement, un jour, tu vois, je suis tombé à Belfort dans un bar où il y avait un mec qui a senti, tu vois, que j'étais quand même en errance, voire plus, et qui m'a tendu la main. Il était suffisamment pas défoncé pour prendre cette main-là, et ce mec-là m'a sauvé la vie, tu vois. C'est super, c'est une belle. Tu vois, le temps que tu. Si tu dérives, mais que tu peux t'en sortir et que tu arrives à t'en sortir, c'est super. Faut juste faire gaffe à pas tomber trop bas. Et là, après, c'est plus compliqué, quoi. Là, on a retiré les lunettes, hein, vous avez vu, parce que ça faisait du bruit sur le micro. Donc, ouais, du coup, je suis resté à Belfort un paquet d'années. J'ai commencé à faire des musiques pour des pièces de théâtre qui jouaient en live, D'accord. des trucs comme ça m'a vachement intéressé. Et pendant une tournée, bah, je suis arrivé en Bretagne et puis du coup je suis resté en Bretagne, quoi, avec ce groupe qui s'appelait Route 66 à l'époque, D'accord. mais qui était vraiment un petit groupe, hein, tu vois, ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais vécu avec Marienthal, hein, tu vois. Mais voilà, et puis un jour j'ai eu envie, j'en avais marre du groupe, quoi, en fait, tu vois, de l'idée de ne pas pouvoir écrire ce que je voulais. Donc je me suis offert ma liberté. Et ma façon de le faire, c'était de partir en carrière solo ou en vrille, suivant les gens. Mais tu vois, du coup, sur mes albums, je peux écrire ce que je veux. Personne va me dire, bah non, 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 c'est pas dans l'esthétique du groupe. Jouer dans des groupes, c'est super et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais si tu veux, pour moi, ma façon de pouvoir m'exprimer le mieux, c'était
voilà, d'avoir aucune entrave en fait. Ouais. Tu vois, la liberté, c'est un truc des fois même un peu surcompliqué pour moi, mais c'était ça l'idée, tu vois, de vraiment être libre de faire ce que j'ai envie de faire. Quoi. Si j'ai envie de faire un blues, je fais un blues. Si j'ai envie de faire un album instrumental, bah, je ferai un album instrumental. Et puis si j'ai envie de faire quoi que ce soit, bah, je le fais comme je le peux, bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, c'est l'idée. Et puis bah, voilà, avec le temps, ça m'a amené à composer pour Thalassa. Tu vois, je fais beaucoup, beaucoup d'émissions pour eux. Qui ont fait une centaine d'émissions. Tu vois, c'est dingue. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Après, j'ai commencé à donner des masterclass, des choses comme ça. Ça m'a mis à plein de rencontres, tu vois, dont par exemple la rencontre avec Rontal, où ça s'est passé sur l'album Braise America. Okay. C'était mon troisième album et je voulais avoir un producteur, tu vois, parce que les deux premiers, je les ai produits tout seul. Et là, je sentais que j'avais besoin d'un producteur pour me, tu vois, filer un coup de fouet. Et la maison de disques de l'époque, qui s'appelle Cobraise, à l'époque, c'était des maisons de disques où il y avait encore de l'argent. Et donc, on a pu faire cet album-là, tu vois. Et donc, par l'intermédiaire d'un ami journaliste à l'époque, qui s'appelait Eric Cervera, qui bossait dans Guitare et Basse, qui connaissait Ron. Tu vois, il me dit bah, pourquoi tu lui demandes pas, tu crois Et puis bah, j'ai envoyé les maquettes, il a écouté, il m'a renvoyé, alors là c'était par téléphone, hein, tu vois. Quelques semaines après, il me dit bah, écoute, ouais, ça me branche et tout, comment on fait? Je lui dis bah, tu viens 5 semaines en Bretagne et puis on va le mixer chez toi à New York. Quoi. Wow. Voilà quoi. Et donc ça s'est passé comme ça, tu vois, la rencontre avec Ron. Et c'était simple en fait. En fait, c'était simple parce que c'est un mec adorable et il n'avait pas la carrière qu'il a depuis, hein, tu vois. Mais il est resté le même. Tu vois, on s'appelle tous les, tu vois, régulièrement, au moins une fois par mois, tu vois. On est en contact, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment quelqu'un de super, quoi, qui m'a appris mais tellement. Notamment, tu vois, sur les rythmiques, j'avais la prétention à l'époque de doubler mes grattes vraiment absolument à la perfection. Enfin, tu vois, j'étais sûr de mon coup, quoi, tu vois. Ouais. Et sauf que quand tu travailles avec un mec comme Ron, bah, toi, ton niveau d'exigence, il est là, et le sien, il est là. Et ça fait bobo, quoi, tu vois. Ça fait bobo sur... Il y a un jour, je me rappelle, on était en train de tripler la rythmique, tu vois. J'y arrivais plus, quoi. J'ai dit, Ron, je sais plus où est le temps. Ouais, t'entends plus rien au bout d'un moment. J'entendais plus rien, j'étais perdu. Et laisse tomber, on fait ça demain matin. Et puis le lendemain matin, bon, ça s'est fait vite parce que j'avais nettoyé, tu vois, le truc, les doutes, tout ça était nettoyé. Mais du coup, tu vois, avec ce taux-là, bah, toi qui es là, bah, il te fait jouer là quand même, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, je me dis, ah, bon. Tu crois être là, mais en fait, tu dois être là. Donc, il faudra viser là. Et, tu vois, Au fur et à mesure, tu arrives à monter ton niveau d'exigence. Mais c'est marrant, tu vois, de voir comment, à un moment, tu penses être quand même sur une bonne exigence. Et puis, tu tombes sur quelqu'un qui est 4 fois plus exigeant que toi. Et, ah ouais, d'accord, ok. Bah, mon gars, tu vois. Il va falloir bosser. Il va falloir revoir les choses. Donc ça, et puis après j'ai eu l'opportunité de me retrouver sur des tournées en tant que guest. Ça, c'est un rôle que j'aime bien, tu vois, de venir faire guest sur un projet. Ouais, ça c'est... Tu vois, j'adore ça. Je dis pas oui à tout non plus, hein, tu vois, c'est quand je pense que je peux peut-être m'y retrouver, éventuellement amener un petit truc, tu vois, au projet, c'est cool. Mais aussi, c'est le faire uniquement pour prendre de la caillasse ou... Oui, non. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Donc ouais, tu vois, je me suis retrouvé sur Excalibur, tu vois, donc Excalibur, Anne de Bretagne, des trucs comme ça. Alors Excalibur, ça m'a permis de rencontrer Martin Barr, le guitariste de Jethro Tull, avec qui on est devenu très très potes. À l'époque, il quittait Jethro Tull, il montait son groupe.
Et il m'a demandé de venir, si j'étais OK pour venir jouer avec lui. Donc, non. J'ai dit, laisse-moi une nanoseconde, oui. Et donc, ouais, tu vois, donc du coup, j'ai tourné 3-4 ans avec lui. On a parcouru toute l'Europe, etc. Donc, c'était vraiment des beaux moments. Et puis là, t'es en masterclass tous les soirs quand t'es quelqu'un comme ça. Ça fait partie de tes 80% dont tu parlais en début de vidéo. Tu vois, mais complètement. Là, depuis tout à l'heure, en fait, tout ce qu'on parle, c'est ces fameux 80% ouais. où tu t'attends pas à ce que la vie t'offre ça. Après, tu vois, la vie, elle offre des choses tout le temps. Tous les jours, elle te passe. La chance, elle passe tous les jours devant toi. Tu es open à la percevoir, à la prendre ou pas. Mmh. Tu as des gens qui seront toujours enfermés, qui la verront pas, mais... Tu vois, la chance, elle n'arrive pas qu'une fois dans sa vie, ça c'est. Oui. C'est une énoncé, mais qui est d'une stupidité. Et c'est défaitiste à bloc, quoi. Tu imagines le mec qui pense non, mais la vie, elle est passée. Enfin, la chance, elle est passée une fois, je l'ai loupée, c'est mort. Ouais, bah, il y en a qui pensent comme ça. C'est grave. La vie est beaucoup plus sympa que ça. Hein. D'ailleurs, là, tu te retrouves à organiser un festival. Quand ouais. même. Ouais. Mais ça, c'est de la faute à ma manageuse, Michel. Ah bon? Ouais, c'est de sa faute. Il y a le Guitar Camp, là, auquel tu étais invité l'année dernière. Mm-hmm. Et donc, je lui avais dit un jour, ah, ça serait bien de doubler ça avec un festival, tu vois, faire un truc et tout. Et puis, là, cette année, elle m'a dit, bon, il y en a, en gros, hein, je plaisante évidemment, mais bon, il y en a marre d'en parler, on va le faire. Hein. Allez. Et voilà, et comme ça fait 5 ans que le Guitar Camp existe, ça tombait pas mal, tu vois, pour faire un plus gros événement. Donc, malheureusement, on peut pas le faire en même temps parce que les logistiques, tu vois, ça peut pas le faire. Donc, on a le festival qui est le 30 mai et 1er juin. Très bien. C'est à Rostronin. Salle Guillaume Le Carof, là, c'est la salle des fêtes. Hein. Et puis on a rajouté un salon des luthiers avec Kelt, tu vois, pas mal d'amis, je dis Kelt entre autres, hein. Il y a Blue Cat Audio aussi, voilà. Enfin, il y en a plein, il y a tout ça sur le site, hein. Ouais. vous pouvez aller voir le site. Et puis une bourse aux instruments pour le samedi. C'est-à-dire des gens qui ont envie, un peu comme une foire à tout, mais dédiée aux instruments. Okay. Donc les gens qui ont envie de revendre des clous sur lesquels ils jouent plus ou qui ont envie de changer. Donc ça peut changer, ça peut être du troc, ça peut être tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer. Quoi. Donc venez avec vos instruments et puis vous inscrivez sur place. Si possible, inscrivez-vous à l'avance, c'est plus simple pour nous, mais au pire... Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Ça, c'est génial. Tout premier lien dans la description, ce sera le lien du site du Guitar Mort Fest. Du Guitar Mort Fest. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos pour pouvoir venez. Ah parce oui, que déjà, ça va être bien. Il faut venir parce que le vendredi, on est sur une thématique. C'est déjà le truc qu'on a remarqué avec Michel, c'est qu'il n'y a pas de festival dédié à la guitare dans le Grand Ouest. Oui. Tu vois, t'en as en Corse, Patrimonio, t'en as Guitare en scène, enfin, t'en as Paris, le Chambéry, je sais plus où, dans le coin, où c'est exactement, mais donc t'en as quelques-uns comme ça, mais dans le Grand Ouest, il n'y a rien. Donc on s'est dit, bah, on va tenter d'inscrire ça dans la Bretagne, puis de faire de Rostronin et Plouguer-Nevel la capitale de la guitare électrique en Bretagne. Oui. Parce que bon, pas non plus. Mais l'idée, c'est ça. Et donc, du coup, le vendredi, on est plus sur une soirée blues rock, on va dire. Ouais. Avec Laura Cox, Manu Lanvin, Jesse Lee, qui je pense qu'il va pas mal surprendre. Et puis le samedi, donc, il y a un groupe qui s'appelle It Falls On Me. D'accord. Qui a gagné le tremplin du Guitar Mort Fest pour ouvrir la journée du samedi. C'est un groupe de Rennes. Après, bah, on a appelé les copains. Donc il y a Patrick Ronda. Peut rien faire sans Patrick Ronda, c'est pas possible. C'est pas possible. Si, des pâtes, éventuellement.
ou qu'est-ce qu'on peut faire, un coulis de framboise, des choses comme ça, mais dès qu'on parle de guitare, s'il n'est pas là, ça ne va pas, quoi. Mm-hmm. Après, nous, on aura la chance de jouer dans ce festival-là. Ils nous ont pris, tu vois, c'est cool. T'as passé l'audition. On a passé l'audition avec succès, on va dire. Et puis, on a invité Uli John Roth, donc le guitariste de Scorpion. Emblématique pour moi, c'est vraiment lui, le guitariste qui a vraiment illuminé Scorpion, quoi. Et en plus, en fait, le truc, c'est que Uli, on se connaît depuis longtemps. Mmh. Que j'ai eu la chance d'ouvrir pour lui sur une ou deux tournées, je sais plus. Patrick a joué aussi avec lui quand ils ont fait le G4 avec Satriani, etc. Donc tu vois, du coup, en fait, tout le monde se connaît. Donc ça va être plutôt bonne ambiance. Normalement, ouais, ça devrait bien se passer. Si je rate pas mon coulis de framboise, tout devrait aller bien. Le plus dur, c'est les pâtes quand même. Bah, les pâtes au coulis de framboise, c'est quand même un peu particulier. Tu crois pas, toi, qu'il va monter? Non, je pense que c'est pas très bon les pâtes au coulis de framboise. Je t'en ferai. Et tu les mangeras. Sinon. Et peut-être tu les digéreras. Ou pas. Et voilà quoi, tu vois, donc l'idée, bien évidemment, le soir, il y a peut-être des chances qu'on se retrouve le samedi soir les trois sur un titre, ça se pourrait. C'est pas hors de votre portée, hors de propos en tout cas. Ouais. Et voilà quoi, tu vois, donc. Ok, bah ouais, franchement, moi j'ai hâte d'y être, j'y serai en tout cas. Alors si vous voulez voir Anaïs, il faut venir au Guitar Morpheus. Exactement. Sinon. Moi je serai là en touriste hein, par contre. Hein, ouais, mais il faut venir quand même. Je fais coucou, tout ça. Voilà. Mais, pour aller faire signer des autographes, tout un tas de trucs. Et sinon, du coup, tiens, parle-nous ton dernier album 2021, yes. Il me semble. Et ouais, déjà, ouais. Ouais j'ai envoyé un peu un mail à mes abonnés pour voir s'ils avaient des questions à te poser. Et la question qui est revenue le plus, c'est l'intro. Pourquoi? C'est l'intro de Indistown. Indistown. Je pense que ça, tu l'as eu beaucoup de fois la question parce que ouais. Elle est quand même épique. C'est assez récurrent. Eh bien, écoute, cette intro-là, en fait, c'est un gros bordel. Pour moi, parce que je n'avais pas forcément la technique pour le faire au départ. Si, le tapping, tout ça, tapping en slide, tout ça, je connaissais. Twins, un petit peu moins. Mais surtout, tel que c'est gaulé, là, je n'avais jamais fait ça. Mm-hmm. Moi, hein, y a plein de gens qui ont dû le faire. Hein, tu vois, mais en fait, c'est parti. Donc, j'avais la rythmique d'intro. Etc. Mm-hmm. Et je me disais, bon, c'est un peu court quand même. C'est un peu court. Donc j'ai pris le clavier et puis j'ai lancé une séquence. Tu vois, j'ai écrit une séquence dessus. Tu vois, moi j'ai écrit le clavier. Je suis très très nul au clavier, nullissime, hein, c'est naze. tu vois, après, j'arrive à me démerder pour faire quand même le truc. Et là, j'ai écrit ça à la souris, quoi. D'accord. Le truc, pas da 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 da. Après, tu t'es dit, faut que je le joue. Eh ben ouais. Eh ben ouais, parce que j'ai écrit tout le pattern. Et. Ouais, putain, ça sonne et tout, ça le fait et tout, j'étais content. Et puis, à un moment, je me suis dit, c'est quand même con que je ne loupe pas la guitare, quoi, quand même. C'est quand même dommage, quoi. Et j'ai commencé à regarder comment ça fonctionnait sur la gratte. Et là, ça a été. Waouh! Waouh, je vais en chier ma race. Et effectivement, j'en ai chié ma race et j'en chie encore ma race. Hein. C'est le genre de truc, en fait, tu sais, quand tu commences à le jouer, il faut surtout pas y penser. Ouais. Tu commences à y penser. Ouais, tu t'arrêtes de respirer. C'est mort. Et là, tu te vautres, tu te vautres gravement, quoi, tu vois. Donc, en fait, le plan. Et là,
Et là, le pattern attaque. Donc, en fait, on est sur la corde de si, on est en dixième case. Oui. Après, on tape sur les points qui est au-dessus. Pardon, non, justement, c'est après. Pardon. C'est ça. Voilà. Oh, je suis nulle en tapping. En ouais, non, mais c'est. Mais. C'est ça. Et le deuxième pattern, ça fait ça. Wow, ah ouais, d'accord. Ouais. C'est ça. C'est une horreur. Parce que tu vois le premier, on a un problème d'écart de case et que ça rentre dans le même tempo. Ouais. Je m'explique. Tu vois, là, mon slide est que sur une case. Ouais. Donc pas de difficulté. Le deuxième, là, j'ai trois cases, tu vois. Ouais. Mais il va falloir que je me déplace dans le même temps que si j'ai qu'une case. Mmh. Ouais. Ouais. Tu vois, donc rythmiquement, il va falloir vraiment que tu te mettes ça complètement en. Il faut l'anticiper, anticiper bah, le mouvement. Il faut se dire, bah voilà, là je suis à une certaine vitesse pour faire mon slide. Et quand je vais sur la deuxième position, bah, il va falloir que j'aille beaucoup plus vite. Ouais. Pour, oui, que, oui. Pour que les notes soient toujours en sextolé, quoi, tu vois. Donc, en gros. Bah, même quand c'est qu'une case entre les deux, j'y arrive pas. Donc... ah, c'est. Tu vois. Après, on revient là. Et après. Donc là. Tu m'achèves là. Voilà. Et là, on a un twin stepping. Ouais. Ça, je sais. J'ai jamais bossé ça de ma vie. Moi, j'avais bossé ça dans les années 90 un petit peu, tu vois. Ouais. Et j'y avais pas trop, voilà, ça s'était pas représenté. Mais là, il a fallu que je retravaille ce truc-là, toi. Tu vois, je l'avais plus, j'avais plus dans les pattes, quoi, tu vois. Pour moi, le problème, c'était cette note-là, à la faire ressortir. C'est la faire ressortir. Il faut vraiment, vraiment y aller. Il faut vraiment taper. Et puis il faut faire en sorte qu'elle soit pas crade, quoi. Bah voilà, c'est parce ça. Parce qu'en général, on aurait tendance à entendre les deux en même temps, quoi. Quand tu le fais plus rapidement, c'est bien, Ah ouais, c'est ça, vraiment. Donc on a ce mouvement-là. Et le dernier mouvement, c'est là où c'est vraiment, vraiment le bordel. Donc, tu vois, tu es... l'avant-dernière position, c'est celle-ci. Pardon. Voilà. Tu arrives sur la corde de si. Ah oui, d'accord, tu reprends la corde. Ouais. Voilà. C'est ça. Oui, ok. Tu vois, mais il faut que tu passes de. Ouais. Wow. Donc, c'est cet enchaînement-là qui est le plus. Qui, moi, m'a demandé le plus de travail. Oh, tu m'étonnes. Vraiment. Par contre, ça sonne super bien. Parce qu'on a des écarts de malade. Là, on se retrouve, il faut vraiment aller là, mais tu vois, il faut pas être comme ça, sinon t'es mort. Enfin bon. Bah, le problème, en général, ça va être plus la propreté ressortir les notes. Ouais, quoi. Ouais. Et puis viser entre les points quand il faut. Et viser sur les points. Et avoir le doigt qui saigne, parce que moi, je fais jamais de tapping. Ah ouais. Ça, c'est sûr que t'as une corne à. Il y a une corne à faire là-dessus, quoi. Ça, c'est évident. Wow. Donc voilà, tu vois, le plan en lui-même, c'est ça. Mm-hmm.
Alors après, évidemment, plus t'as, moi, je mets quand même un taux de disto beaucoup plus important de ce qu'on a là. Ça, hein. Oui, oui, bien donc sûr. Ça facilite, honnêtement, ça facilite quand même un peu les choses. Il faut pas hésiter. Mm. Et puis du délai, tu vois. Oui, voilà. Toi, mais tu vois, sur scène, le clavier, il tourne, je tourne, je le double, faut qu'on soit, mais hyper synchro là-dessus. Sinon, si t'as, tu vois, dès que t'as un décalage entre les deux, ça arrive hein, sur des concerts. Okay. Un peu moins attentif, un peu moins en forme, tu vois. Ça peut arriver, putain, là, je commence à ramer, à rechercher le truc. Mais bon, heureusement, ça n'arrive pas à tous les concerts. Ouais. Mais donc tu vois, c'est le genre de truc qui est arrivé d'un accident, en fait, un accident de clavier. C'est dingue ça. Mais j'ai beaucoup de choses comme ça dans mon jeu, en fait. Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de faire le chant après les rythmiques et pas, tu vois, et pas faire attention à ce qu'on faisait. Tu vois, voilà, on dissocie tout. Et bien, pour mes solos, je fais pas mal de choses. Je fais beaucoup de trucs comme ça. Je suis l'anti-première prise. Ce que je fais, c'est que j'empile les solos. Les empiles. Et tu vois ce qui sonne. Et après, je vois ce qui sonne. À un moment, tu vois, bon, là, je commence à me barrer trop de l'histoire dans laquelle j'étais, parce que bah, tu me connais, c'est ma marotte, hein, de raconter des histoires avec, avec l'instrument. Et quand je pars en solo, c'est rarement, vraiment très rarement, pour faire un solo, quoi, tu vois. Ouais. C'est plus, je continue à raconter l'histoire avec un autre. Véhicule ou je sais pas, tu vois, enfin tu vois ce que je veux dire par là, quoi, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment super important de ça. Donc ce qui fait que quand je commence à écrire des solos, parce que je les écris pas, je les joue, tu vois, de façon absolument spontanée, voilà, je vais faire 10-15 prises. Il y a des trucs, j'ai même des morceaux où j'ai fait 60 prises, quoi, tu vois. Après, je me fais chier à tout réécouter, à regarder, tiens, ça c'est bien, là c'est mieux joué, ah là ça raconte plus le truc. Et puis, tu vois, des fois tu vas changer une piste, ah mais là je fais pas du tout la même chose, mais putain, c'est sympa. Ça, tu vois, Jeff Beck faisait ça. D'accord. Il était un des premiers à faire ça. Il a enregistré sur certains albums, alors je pourrais pas te dire lesquels, hein, mais style à l'époque, t'es sur du 16 pistes ou 24 pistes maxi. Et t'avais trois pistes de guitare et puis il switchait, ping ping, ting ting, ting ting. Tiens, je pense Boula, mais la prise qu'il y avait parallèle n'avait rien à voir avec ce qu'il avait fait là, quoi, tu vois. Mais du coup, ça te crée des accidents. Qui font que tu n'aurais pas forcément pensé, ouais. T'aurais pas. Bah non, c'est. Naturellement, tu vas. Tu vas pas aller. Tu vas pas faire ça. Bah oui. Naturellement. Enfin, je pense qu'il y en a qui le font, c'est toujours pareil, il y a toujours les contre-exemples, mais globalement, on va rester dans une zone à peu près de confort, machin, de trucs qu'on connaît. Mais les accidents, ils vont pas être nombreux, quoi. Et en fait, tu vois, en faisant ça, moi, je crée plein d'accidents régulièrement, quoi, tu vois. Et ce qui fait, tu vois, quand tu vois que tu prends dans un solo, c'est Please Tell Me Why. Le morceau qui fait. Tu vois, après, on pourra parler de cette rythmique-là si tu veux. Après, c'est assez marrant. Tu vois, il y avait une prise où j'ai dû faire ça, puis une autre prise où j'étais là. Et puis, j'ai mélangé les deux, puis ça donne ça. Tu vois, c'est un truc que tu vas pas nécessairement faire régulièrement. Non, tu vas pas y penser. Et tu vois, après, dans la montée qu'il y a, ça fait. Tu vois, normalement, ça, c'est plusieurs prises qui sont, qui sont montées. Parce que normalement, j'aurais dû faire ça. Ouais. Tu vois, une montée classique, quoi. Montée classique. Et là. Tu vois. Et ça, tu as au moins 4-5 prises pour arriver à ça. Et donc après, évidemment, quand il faut commencer à l'apprendre... Oui, parlons des rythmiques et puis
d'un morceau qui s'appelle de mémoire, c'est un truc que j'ai écrit. Please tell me why. Et la rythmique, en fait, ça fait ça. En fait, c'est tout un boulot sur les impulsions, quoi, tu vois. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et le chant fait Please tell me why, etc., etc. Et en fait, quand tu le joues, la logique serait de faire plutôt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, avec le chant dessus. Please tell me why you feel so bad in your life. Tu vois? Et le truc que j'ai fait, c'est l'inverse. J'ai foutu l'impulsion sur le 1. D'accord. Et ce qui fait que c'est plus du tout le même morceau. Tu reprends la même chose, et en plus, au niveau du chant, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, parce que c'est vrai qu'on est plus habitué à entendre. Tu vois? Voilà. Ce genre de rythmique. Ouais. Et là, on est, c'est comme si on était inversé, en fait. Ouais. Tu vois? Donc ça fait. Please tell me why you feel so bad in your life. Si je le fous de l'autre côté, ça fait Please tell me why. Et on n'a plus le même morceau. Non, ça n'a plus rien à voir. Ouais. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Tu vois. Donc, c'est vraiment un truc, tu vois, au niveau de l'impulsion. Je sais plus, il y a un autre nom pour ça. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois. Les accents, quoi. Les accents, oui, voilà, c'est ça. Au niveau de l'accent, suivant où tu vas le mettre, tu ne vas pas avoir la même. Pas le même discours et donc pas la même histoire derrière. Et ouais, par rapport au chant, c'est vachement plus compliqué, tu vois, de le faire en. C'est moins stable en fait. Ouais. Tu vois, il faut vraiment que tu. Parce que le tu vas avoir. C'est plus comme un rouleau compresseur qui avance un peu plus, quoi. Exactement. Ouais. Dans l'autre sens, c'est. Ouais. J'ai l'impression que pour moi, ça faisait la 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 la, tu vois, un peu. Ouais. Alors que l'autre, c'est. T'as ce mouvement-là, quoi, tu vois. J'ai eu pas mal de questions pour savoir, en gros, si tu avais une routine ou si tu as eu une routine avant de travail. Ou en tout cas, en gros, la grande question, c'est comment est-ce que tu as travaillé ta guitare, tu vois. D'accord. Ouais. Eh bien, écoute, j'en ai eu, forcément. J'en ai eu beaucoup. Un des trucs... moi, je suis complètement autodidacte, sauf pour 4 cours que j'ai eu de guitare dans ma vie, que j'avais pris quand j'étais encore au lycée. Il y avait un prof de guitare qui était à la Maison des Jeunes et de la Culture de l'époque. Ouais. Ça n'existe plus, je crois, les lycées, très rarement. Si, je crois que ça existe encore. Ouais. D'accord. Et il y avait un mec qui s'appelle Patrick Duplan. D'accord. Ça s'invente pas pour un prof de guitare. Et ce mec, en fait, quand je suis arrivé chez lui, parce que c'est des copains qui me disaient « Ouais, tu dois aller loin, il est sympa, il fait… » tu vois. Je pense que c'est le meilleur prof de guitare du monde. D'accord. Ce gars, il a… donc moi, j'avais déjà bouffé, tu vois, comme je te disais, tout Purple, voilà. Machinehead, Ilon Laquendo, tout ça, donc j'étais… Je bossais avec les 4 doigts, etc. Ce qui à l'époque n'était pas si fréquent que ça. Ouais, tu vois. En général, c'était les plans c'était 3 doigts, ça, quoi. Ouais, ou c'est deux, ça, t'avais des trucs. Et donc, il a vu, si tu préfères, un mec, il m'a demandé de jouer. Donc, j'ai fait, je ne sais plus quel morceau de Purple. Il a vu qu'au niveau technique, ce n'était pas la peine d'aller me faire bosser outre mesure parce que j'avais la niaque pour ça. Ouais. Tu vois, j'allais le faire tout seul. Par contre, il t'écoute quoi. J'écoute Purple, Rainbow, Van Halen, Rainbow, Purple, Van Halen. Donc il a vu un mec arriver chez lui avec un angle de vision, tu vois, comme ça. Il dit, bah, écoute, on va bosser, on va faire une bossa nova, tiens. Ah, ouais. Tu sais, avec les accords Picasso, là, tu vois. Ouais. Okay.
Enfin, je sais plus, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, il me fait bosser ça. Deuxième cours, il m'a fait bosser du classique. Après, il m'a fait bosser un morceau de jazz, un morceau de blues. Et ce mec, en fait, il m'a fait gagner 10 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a ouvert l'esprit. C'était vachement important, quoi, tu vois. Parce que j'étais, je pense que j'avais ça en moi, tu vois. Sinon, j'aurais pas croché dans le truc, j'aurais ouais, fait chier, tu vois. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un intérêt à aller écouter autre chose que ce que je faisais. Enfin, ce que j'aimais, du moins. Que tu connaissais, quoi. Voilà. Et c'était vraiment, vraiment un grand moment, quoi, tu vois. Il m'a fait découvrir la musique. Ouais. Je trouve que c'est important ce que tu dis là, parce que les gens ont tendance, enfin moi je sais que dans le monde de musiciens, c'est vrai que les gens ont tendance à avoir vraiment trop de hier, je trouve. Et pour moi, des fois, même au premier abord, quand tu vas écouter un morceau, tu vas pas forcément bien l'aimer sur la première écoute, ni à la deuxième, mais par contre, au bout d'un moment, ton cerveau il va commencer à s'habituer et tu comprends ce qui se passe. Bien sûr. Fait, tu te rends compte que si t'aimais pas avant, c'est parce que peut-être t'avais pas très bien compris ce qui se passait. T'étais pas rentré dans l'univers. C'est ça. Tu t'étais pas ouvert au truc, un peu comme on parlait tout à l'heure avec la chance qui arrive, tu la repères, voilà, tu t'ouvres pas à l'univers. C'est ça. C'est-à-dire que ton univers, il se cantonne à ce que tu connais. Putain, mais comment tu peux l'alimenter avec tout un tas de trucs qui est autour? Et tu vois, humblement, c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique. Ouais, j'allais dire, ça s'entend. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre du celtique dedans, aussi grâce à Gary Moore, hein, Dan Arbraz, tout ça. C'est Lizzy qui avait fait aussi pas mal de choses dans ce goût-là, en mélangeant avec le rock. Mais la musique chinoise, tu vois, aller chercher des trucs. Des nouvelles sonorités. Des nouvelles sonorités. Et inclure ça dans ton paysage, nourrir ton paysage. Moi, je viens du métal, enfin de la famille du métal, hein, hard rock. On appelait ça hard rock, maintenant on appelle ça quasiment classique rock. Pourquoi Mais voilà quoi, mais c'est de cette famille-là. Et la musique que j'écoute le moins est probablement du métal, quoi. Parce que j'en fais. Enfin, j'en fais Puis t'en as écouté façon, déjà avant des tonnes, quoi. Des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et bon, après, il y a des groupes qui me nourrissent encore, tu vois, des trucs absolument fabuleux partout, de toute façon. Mais ça va m'apporter plus d'aller écouter de la musique chinoise ou, tu vois, des trucs comme ça, parce que ça va m'ouvrir l'esprit à quelque chose que je maîtrise pas, quoi. Donc ça me semble plus... la musique arabe, j'ai fait pas mal de trucs avec de la musique arabe aussi. C'est intéressant d'inclure ça. Ça, je pense que c'est aussi les écoutes d'Aldi Meola ou tu vois, des gens comme ça. Jeff Beck faisait ça Jeff aussi. Beck, évidemment. Jeff Beck, le grand Jeff Beck. C'est, je pense qu'on a tous versé un peu notre larme hein, tu vois, quand il est parti. Mais voilà. Et donc, pour revenir à ton truc... à la question de la personne. Ce que j'ai bossé beaucoup, ce que ce prof de guitare m'a fait bosser, c'était un exo tout bête pour l'indépendance des doigts, tu vois. D'accord. C'est-à-dire qu'il m'a fait faire ce plan, tu sais, tu prends 1, 2, 3, 4, tu prends tes 4 cases et puis tu fais 1, 2, tac, tac. Ah oui. Voilà, truc tout bête. Après, tu passes toutes les formules. C'est ça, ouais. Toutes les formules possibles et inimaginables. Et ça, c'est pas mal parce que ça te délie vraiment les doigts. Je faisais ça très souvent. Enfin, je faisais ça. Je vais pas mentir sur ta chaîne. Je faisais... sur les autres chaînes, oui, mais pas sur celle d'Anaïs. Je faisais ça vraiment pendant des années avant les concerts. Ouais. Ça te prend... Pour faire toutes les formules, ça te prend un petit quart d'heure, en gros. Maintenant, en fait, juste la balance, ça me suffit, tu vois, pour me chauffer. Quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Enfin, pour me préchauffer. Mon préchauffage. C'est comme ça que tu fais cuire les pâtes. C'est comme ça que je fais cuire les pâtes. Et puis, pour les groseilles, bon, c'est encore un autre sujet, mais bon, voilà. Et, mais cet exercice-là, tu vois, si tu prends les formules à quatre doigts, tu vas faire 2, 3, 1, 4. Oui. Etc. Et puis, là, on va faire super simple, mais
Après, tu vois, tu travailles dans ce sens-là, ok. Mais ça peut être intéressant de travailler dans ce sens-là. Oui. Dans ce sens-là. Donc tu changes. Toi, tu sautes une corde à chaque fois. Admettons, tu vas faire une case. Tu vas faire ça. Alors, le gros piège à pas faire, c'est souvent, j'ai vu des gens faire ça par exemple. C'est-à-dire qu'ils redescendent pas dans la même formule. Ouais. Tu vois, ils ont monté 1, 2, 3, 4 et ils redescendent à 4, 3, 2, 1. D'accord, ouais. Mais non. Ce non, que tu veux faire, c'est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que cet exercice-là, en fait, pour moi, t'aides vraiment à ce que ce soit ton cerveau qui commande tes doigts et pas tes doigts qui commandent. C'est ça. Qui font ce qu'ils veulent. Et, quoi, c'est, en fait. Et c'est pour ça que c'est des trucs qui sont pas mélodiques. C'est pas mélodique, mais c'est d'une efficacité redoutable. Ouais, j'avais vu les exos de. Ouais, ça. Ouais, Satriani. Satriani, ouais. J'avais fait le truc avec les accords diminués. Horrible. Ouais. Ah, tu veux dire les accords moins chers? Non, c'est moi qui étais diminué quand je les jouais. J'adore. Clairement, oui. Mais ouais, tu vois, et après, ce que tu peux faire aussi dans le même exercice, c'est sauter les cordes. Ah ouais, là, etc., hein, tu vois. Ouais, et là, le cerveau... Et ouais. Tu fais ça avec toutes les formules. Alors, évidemment, dans l'autre sens... etc. Et ça, c'est ce prof de guitare qui m'a fait voir ça. Il t'a montré tout ça. Ouais. Lui, il m'a montré d'abord, tu vois, oui. Dans cette configuration. Puis après, moi, j'ai commencé à me dire, mais ouais, attends. Parce que le truc tout bête, hein, on commence avec des cases qui font ça et on finit avec des cases qui font ça. Donc, c'est aussi un moyen de bien, d'arriver à bien se positionner sur, ouais. Sur tes cases, sur ton manche. Quoi. Genre de choses, quoi. Ok, et du coup, tu as répondu aussi à une question qu'il y avait, c'est-à-dire, est-ce que tu t'es chauffé, en gros? Est-ce que tu t'échauffes? Comment tu t'échauffes? Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Franchement, là, depuis quelques années, la balance, en général, on joue, quoi. On fait trois morceaux. Ouais, donc ça te permet de t'échauffer. Ouais, mais on fait toujours l'instru, tu vois, dedans, un instrumental, parce que j'ai besoin de... Je joue pas mal avec le Larsen, à un moment, dessus. Mmh. Et t'as besoin de savoir. Et j'ai besoin de savoir, tu vois, à quel endroit je vais choper le Larsen pour le contrôler okay. Exactement. Tu sais comment c'est, hein, t'as pas le Larsen forcément partout. Donc, celui-là, il y a toutes les techniques dedans. Donc, tu vois, une fois que j'ai chauffé ça, ça va, quoi. Ouais, ça fait. Mais après, c'est moi, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres Patrick, par exemple. Il est fabuleux, il joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il sort du camion, il y a la gratte, il joue, mais c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir, ouais. C'est pas une corvée ou quoi que ce soit, c'est. Voilà, et puis ça fonctionne bien. Hein. Oui, c'est clair. Et moi, c'est plus comme ça, mais tu vois, au chant, je m'échauffe jamais. Ouais. Je chante à la balance, tu vois. Et ça marche, ouais. Ça me suffit. Je dirais pas jusqu'à ce que ça marche, mais en tout cas, ça me suffit. Merci à toi d'être venu. Non, franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est bien de papoter. J'aime bien, tu vois, comme on vient de faire là, on papote cuisine un peu, tu vois, quand même. Et puis, on parle de musique parce que tout ça, c'est juste un véhicule. Hein. C'est ça, ouais. C'est rien d'autre. Une guitare en elle-même raconte pas beaucoup d'histoires. C'est toute la seule personne comme qui ça, est derrière. C'est pas grand-chose, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Donc, le fameux truc, hein, le son, il est dans les doigts, mais il est aussi dans le cœur, dans le cerveau, dans plein de choses. Et puis surtout, pour moi, l'idée, c'est de se nourrir de choses différentes. Ça peut être, tu vois, comme une rencontre. Comme on vient de faire là, on se nourrit. Moi, ça me nourrit. Tu vois, intellectuellement. Moi aussi, clairement. Et voilà, et ça c'est important. Des bouquins peuvent te donner de l'inspiration, des paysages, se balader. Tu vois, l'inspiration de la musique n'est pas que dans la dans musique. Dans la musique.
Bien sûr que non, la musique c'est juste le véhicule qui va te permettre d'exprimer tes idées, ton ressenti, voilà, c'est ça. Mais c'est juste un outil, quoi. Alors, plus tu as de technique, plus tu as d'outils, bah, plus tu peux raconter le plus fidèlement possible ton histoire. Ouais, important d'aller se nourrir de plein de choses et pas être omnubilé. L'inspiration n'est pas que dans les disques qu'on écoute, la musique, à celle-là aussi, mais pas que. Oui, c'est ça. Mais ça s'entend en fait dans toi, en tout cas ta musique, la musique que tu composes, ça s'entend en fait que déjà tu as plein d'inspirations différentes et puis que tu vas vraiment composer pour composer, quoi, pour servir la musique et pas forcément, enfin tu vois, tu te mets pas en avant ou quoi que ce soit en fait, c'est pas... Non, l'idée c'est... Ouais. Même tu vois, quand j'écris, je fais tout de A à Z, hein, la compo, les arrangements, la prod, etc. Et je pense énormément aux musiciens avec qui je joue. Tu vois, quand je commence à ébaucher les parties de batterie, je pense à John, je pense à son jeu, je sais ce qu'il va en faire, j'ai essayé de pousser comme je le fais pour moi, tu vois, parce que sinon ça aurait pas de sens. Quand je fais les lignes de basse, je les fais en fonction de Christophe. Tu vois, quand je bossais avec Jonathan Noyce, je faisais en fonction de... Je lui ai envoyé des maquettes avec... évidemment, je joue pas comme lui, sinon je l'aurais pas... Ça ne servait à rien de l'appeler, tu vois. Donc, voilà. Mais j'écrivais les parties de basse en fonction de lui, comment il allait faire. Donc, la batterie, donc les guitares, donc machin. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que chacun puisse y prendre du plaisir. Tu vois, et pas... Et pas avoir un groupe qui fait juste la rythmique derrière, et puis toi, tu te pètes les solos, ouais, c'est bon, ouais, ça, peu d'intérêt, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste pour servir la musique, et ça, je trouve ça incroyable. C'est normal, c'est normal. Ce qui est incroyable, c'est de pas faire ça. Bah ouais, mais bon, c'est de plus en plus rare, ou alors, je ne sais pas, mais... Je crois que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été, ouais. Je pense qu'il y a toujours eu des gens... tu vois, il y a des gens, par exemple, qu'on a... probablement oublié, pas connu. Je pense à des mecs comme Yann Sirka. Je te jure, je vous conseille d'aller écouter ce mec. La classe. Là, c'est vraiment là. C'est comme pour moi des mecs comme Vai, comme Satriani, comme Beck, tu vois, ou Aldi Meola, dans d'autres registres, où les mecs qui sont vraiment au service de la musique. Donc ça, c'est cool. Oui, ça c'est incroyable. En tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. C'est franchement, moi. Je suis vraiment très honorée de t'avoir à la maison. Non, sois pas honorée. Si, c'est vrai. Non. N'oubliez pas, je vous mets le lien en description pour le Guitar More Fest qui se fait le 30 juin. Novembre. Tout à l'heure, plus tôt, je me suis bourré, j'ai dit mois de mai. Oui. C'est le 30 juin, 1er juillet. Très bien. De cette année. Donc 30 juin, 1er juillet de cette année, n'oubliez pas le Guitar More Fest. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi les liens vers le site de Patomé. Et puis je vous conseille d'aller écouter sa musique si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci. Merci. Allez. C'était cool.